venir tard. Valérie, est parti. Alors, mesdames et messieurs, ils m'ont choisi, je sais pas pourquoi, pour parler ce soir. Ça a été pour moi une énorme surprise. Non, j'ai pas compris quoi. Voilà, donc je me fais ce soir le porte-parole de l'ensemble de l'équipe Mosellane qui a organisé... Et à qui on dit bravo. On va remercier dans l'ordre Diana. Accessoirement, Philippe. La commune qui nous accueille aujourd'hui et qui va nous éjecter d'ici peu. À disposition un titre qui se prête de manière exceptionnellement favorable à notre fameuse réunion annuelle. Voilà. Ouais. Alors, on peut pas passer à côté de. Ben, un peu d'histoire, hein. Alors il y a des grands discours et j'ai des politiques qui adorent ça en fait. Hein. J'ai toujours rêvé de faire la politique, mais j'ai jamais choisi entre la gauche, la droite, le bleu, le jaune, machin. Donc aujourd'hui je suis un peu modem, c'est-à-dire qu'il est partout. Donc on va faire une attention toute particulière ce soir à celui qui est un peu à l'origine de la genèse, hein, du forum interactif et ainsi de suite. Alors. Là, j'ai un problème, c'est parce que la Belgique, ils sont coupés en deux. Donc, alors, je vais appeler Marco. Il est où ? Alors, pour faire un peu l'historique de toute cette affaire, c'est quand même bien, comme on en parlait l'autre jour avec Quentin, qui est... le forum a démarré en Belgique, il est parti dans le sud, il remonte dans l'est, il part à Paris et ça repart vers le haut. Et là, effectivement, en fait, c'est... la Belgique est coupée en deux, mais maintenant, ça va aller mieux. À la semaine prochaine, c'est bon. Hein, Marco, qui est un des piliers avec Quentin, j'ai bien compris que c'est comme ça que c'est passé. Et puis le troisième, c'était Alain. Alain, il n'est pas si loin. Le noyau dur du forum et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, cette quantité de passionnés de Zundapp, comme je dis à chaque fois, ces grands cons de 45, de 50 ans qui roulent sur des mobilettes de gamins de 14 ans. Et bien, finalement, c'est quand même vachement sympa, on s'éclate, il y a une ambiance, une entraide. On a encore vu ce matin que, ben, quand un des membres est dans la merde, eh bien, on est là. Pourquoi on tu a passé. Quand on est dans les membres, pourquoi tu es content? Ouais. Eh bien, quand un des membres est dans la merde, on est tous dans la merde, il y a une solidarité qui est absolument extraordinaire. Notre association, notre club, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, réunit des gens de 14 à... Il y a plus, on dit plus, 60, je ne sais plus quoi. 77, voilà. J'ai entendu. On dit plus, voilà. Eh bien, c'est absolument merveilleux, c'est génial, on a une passion, on a une thématique qui nous réunit. Eh bien, on a maintenant, mesdames et messieurs, la palette, les grands boss du forum. Ah bah c'était une erreur en fait. C'est une grosse connerie. Je crois qu'à la base ça part d'une idée toute bête qui est de partager une passion. Et puis c'est super sympa de voir que plein de gens s'y trouvent et qu'il y a quelque chose qui se crée. On a d'abord eu des contacts avec le ZEFT, qu'on va citer quand même, parce que je pense qu'à la base, les premiers clients étaient un peu le noyau du ZEFT.
de France. C'est pas une question de forum ou de ZEF ou de tout ce qu'on veut. Avant tout, ce qui fait cette solidarité, c'est nous tous. Et moi, je suis très, très flatté d'avoir pu participer, avoir peut-être mis une des premières pierres, qui en a mis certainement pas mal aussi. Et puis, ben, longue vie aux ZONDAP, aux concentrations, aux annuels, et longue vie à notre amitié. Et ça fait combien de temps que ça dure, ça? C'est quand même le lien entre le forum hollandais. Ouais, voilà, ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, je veux dire, ils sont. Ouais, il y a. Point de vue technique, nous et Marco, on a presque vécu des semaines ou des week-ends dans nos Pays-Bas à rechercher tous les distributeurs ZONDAP, hein. D'abord le sud, le nord, et chez Happy Dappy, toutes des choses comme ça. Et on a mis sur le forum pour mettre le contact plus court à tout le monde, en fait. Hein. Là où il y a 5-6 ans, j'allais à Weishen tout seul, avec mon chien, ma fille quand elle était punie. C'est moi. Quand je vois qu'on se retrouve maintenant parfois une dizaine ou plus, je me dis c'est génial. C'est génial parce que partager sa passion, ça n'a pas de prix. Voilà, donc Alain. Un petit mot. Je suis venu à ZONDAP grâce à Patrice Pincelin. Ouais. Le docteur ZONDAP. Ouais. Une référence. Oui, mais au départ, on voulait inviter Patrice. Mais s'il commence, on n'a pas bouffé. Hein. Non, sérieusement, Patrice. Allez, Patrice. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Bah, tu parles en son nom, allez. Voilà. Il nous manque beaucoup, mais il est sûrement en train d'attendre des photos, des commentaires. Il y en aura, hein, on a vu, il y en aura. Tu ne pas envoyé. Nous, les amateurs de ZONDAP, on réalise des miracles. La preuve, vous avez vu ce matin, Michel, t'as vu un peu le travail qui a été fait. C'est fabuleux. C'est un peu lourd. De gens passionnés, on fait des miracles. On n'a pas besoin d'aller à Lourdes. On est les meilleurs. C'est ce qui est important pour le forum, c'est l'entraide, on ne s'en rend pas bien compte sur le forum, mais il y a des pièces qui repartent d'Allemagne, de Hollande, qui descendent vers le sud de la France. Même moi j'en ai profité, j'ai des motos qui sont remontées du sud de la France, qui ont cheminé par plusieurs chemins qui sont arrivés en Belgique. J'ai moi-même redescendu des motos, il y a en fait un circuit. Un vrai circuit entre la Hollande, la Belgique, l'Allemagne. ZONDAP est plus allemand, mais c'est un européen parce qu'il a fait tous les pays. Après l'Europe, bravo et merci les gars. A rendu un super bien service quand même. Ouais. Venez, monsieur le maire, à côté. Monsieur le maire. Bravo. Pourquoi Voilà, en geste, voilà.
Présent un petit cadeau pour un peu avoir un rappel et un souvenir de cette bonne journée. Alors financièrement ça a été un peu ricrac. Alors en fait on a fait on a une idée, on s'est concerté. Je veux juste dire c'est plus de l'improvisation que de l'organisation. Pour les adjoints de la mairie oui, pour nous c'était carré. Après chacun s'en fout. Voilà. Nous c'était clair. On avait une bonne note. Bon. Alors ce qu'on vous
propose ce soir, en deux temps. Nous allons en fait vous proposer le temps. Là, théoriquement, en fait, là sur la table, vous avez en fait des cadeaux, des lots, des choses comme ça, pour les 45 membres inscrits aujourd'hui qui sont venus et qui ont œuvré, participé, et qui ont fait que cette journée soit parfaitement réussie et demain encore on finira. Donc, nous allons en fait passer avec un casque que j'ose toucher que comme ça, parce que sinon je vais me choper une super maladie. C'est quoi, vous allez en fait, si vous voulez bien, casque à rien. Merci de respecter les choses, tous les membres inscrits, parce qu'on aura, on ne peut pas faire pour tous, on a des consolations après, on verra. Prendre un ticket et après vous viendrez récupérer en fait un des lots qui est en fait ici sur la table. Et donc voilà, mon hôtesse. C'est bon, non. Pour faire un petit souvenir, on a des plaquettes qui en fait vont vous permettre de vous rappeler cette fameuse journée, ce fameux week-end du mois d'août qui était en tout cas pour moi fort sympathique et absolument extraordinaire. Donc chacun repartira avec la petite plaquette classique pour souvenir. Alors, vous aurez aussi. Alors là par contre, ça va bagarrer. Hein. Donc, encore un petit trophée. Oh non. Alors, on a essayé de faire les couleurs. Alors, vous ferez par affinité. S'il n'y en a plus, désolé. Donc, on a le vert. Ça, c'est le gris. Il est transparent, ce sera le gris. J'aime pas le gris, donc voilà. Le rouge et le bleu. Voilà. Donc, le petit trophée Zundapp qui sera remis à chacun des participants. Troisièmement, on a fait aussi des petits fortes vignettes d'assurance. Et en fait, à l'époque, j'étais à l'imitant de ce prix, mais en vrai. Donc, des portes vignettes, vous en récupérez aussi. Certainement, ouais. Et, encore une fois, c'est désolé. C'est du travail en découpe jet d'eau, là. Il y en a bien qui est dans l'imprimerie ou un truc comme ça. Donc, oui, bonjour, voilà. Donc maintenant, ma deuxième hôtesse qui s'appelle Laurent. C'est Laurence. Ah, voilà. Bon, l'hôtesse. Voilà. Publicité, c'est comme ça, et les gens des appareils. Du casque. Voilà. Ma première hôtesse va se saisir du. Voilà. Laurence, maintenant, va passer. C'est tous les gens inscrits, membres, qui ont aujourd'hui une tapée. Allez, c'est parti. Nous, on est inscrits, on participe ou pas? Vous êtes inscrits, t'as inscrit dans ce truc. T'as une d'appel aujourd'hui. T'es inscrit. C'est un privilège comme quoi, participant ou non? T'as le droit. Vu qu'il a dit les 44... Oui, t'es ici dedans. Ah. Il y a En tout cas, tu es très mignon. C'est les mêmes pour tout le monde. Moi, je veux. Kleptomane jusqu'au bout. Hein. Bonne cale pour la béquille, ça fait la pas qu'un bouquet s'enfonce dans le sol. Je suis sûr que mon portable c'est mieux que ça. Toi t'as de la mémoire, parce que 20 minutes de film. Il est avec lui, il est 38. Allez, on va chercher alors. Qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Une boule d'or. Un porte-clé. Un porte-clé à une ouvre bouteille. Qu'est-ce que c'est, les casquettes style, là? Que ça fait un pénuque ou quoi? Je faisais pas le numéro. Tu te fais chier. Et t'as le numéro qu'on trouve pas. Quelqu'un de 38 qui t'emmerde à gagner comme numéro.
avec quoi? Non, c'est quoi à faire? Tu le gardes? Quand tu l'auras déveillé? Ah ouais, c'est sympa. T'as pas gagné là? T'as quoi comme défense? On a deux. J'en ai deux? Non, un. Ah non, t'en as bulletin blanc. Allez, ceux qui... Non. Non, c'est bon. 35. Il n'y a que des numéros que j'ai pas, où ils sont? Antoine, ce qu'on fait, tu attends? Et quand c'est fini, c'est simple. Antoine, là il est. Le deuxième, attends. Trouve au calou là. Merci. Parce que nous, on est vrai, nous, dans ce. 43. Hop, merci beaucoup. Merci le ticket. Je vais prendre un truc. C'est bon. Oh là là. Merci à ça. Oui. C'est quoi ces horloges? Ça, il est bien, moi j'adore. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est une toile. Ah merde, moi je croyais que c'était. C'est une tournule. Ouais. 30. Allez, c'est parti. Toi, t'as eu le 1. Le numéro, c'est un autocollant en une. La 15. Ah, attends. Le numéro, tu l'enlèves, c'est un autocollant. Venez. Philippe, venez. Ah, mais c'est bien. Là, je tente ma chance. 50. 05, je sais pas. Non, reprends-le. Ah bon, il n'y a pas 50. Ah bon, là, je me suis. Non, c'est une couille. Non, attends, tu reviens après. N'oubliez pas le 14. Et pas, reviens après. Oh putain. J'ai plus les tickets. Mais je le fais, je te connais. Ah ouais, c'est bon alors. Tu repères. Il faut repérer, il faut prendre des trucs comme ça là. Pour les porte-clés. Chef, oui, mais chef. Bouge plus, module. Je vais te donner. Et module. Et bien, si tu veux que je t'encule. On tue de la main. C'est bien. Bien. On peut s'approcher. 38. C'est style. C'est un chocolat, un peu style. Ouais. Non, c'est pas lui. 17. Mais bon, tant pis. Il est là. Il est où le 17? Il est parti. Ah bébé, Antoine. Tiens, le 17. Parableu. Combien? Oh le 1! Attention le chrono! Oh, il est parti! Hey. Attention! Hey. Où est? Attends, cherche le trou! L'autre côté! Voilà! Mets ça dans le courant, hein. Tu le montres à tout le monde! Hein. Allez! C'est que le moi sur le ticket là, c'est que le moi là! Allez, on y va! 40! C'est 32. Allez, tip top, merci. C'est parti. On soit appris. 1, 2, 3, 4, il est où? La voiture balai. 4, il est là, c'est parti. J'ai trouvé 35. Michel, 2, c'est parti. Allez, Michel. Ouais. 35. C'est bon, t'as pris. Je suis là. Nickel, allez. Tu n'auras pas le choix. J'ai. Non, c'est bon. Allez, où est en scène? Ouais, table de chevet en plus. Attends. Hey, on voit rien. Ah. Tu l'as fait refaire? Number one.